François Vincente, il ne tient pas en place. Et pourtant, rien ne presse selon lui. Entre un tournage à Bordeaux pour un rôle complexe, un aller-retour à Los Angeles pour le rêve américain et une virée en Corse pour faire plaisir à la famille, il ne cherche pas forcément à accélérer le rythme d'une carrière où tout s'enchaîne normalement. François Vincente, il est aujourd'hui l'acteur qu'il veut être. Il nous raconte comment il en est arrivé là, avec ou sans filtre. Ah. Bienvenue dans votre vie, François. Et dans votre album photo de famille, d'ailleurs. Hein. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Hein. On a des photos de vous. On va essayer de raconter votre parcours à travers les clichés marquants de votre vie. Donc là, on est dans la petite enfance. Ah bah ouais, bah là, on est avant l'enfance. Ouais. On est à la genèse. Là, c'est... Là, par exemple, c'est... Ça, c'est Michel Vincente, qui était le grand-père de Angelmont Vincente, qui était mon grand-père. Donc, Michel, qui est le père de Ange-François Vincente, père de Angelmont Vincente, lui-même père de Jean Vincente, père de François Vincente. Elle vient d'où, cette famille? Parce vient, qu'on est où, là? Ah, bah, là, on est à Morcy, on est dans le Cap Corse. La famille, la maison, elle a été construite en 1507. Oui. Je pense par un Vincente, donc ça, c'est, on a des racines extrêmement profondes dans le Cap Corse. Et donc Michel, donc propriétaire terrien, sorte de Jo en fait, hein, et qui cultivait le cédrat sur les coteaux du Cap Corse. Et le père, donc son fils Ange François, a décidé de faire des fruits confits de cédrat. Il cherchait pour ça un port pour l'exportation où le sucre était bon marché. Et ils sont partis à Anvers. Il y avait la betterave sucrière. Et donc, ils faisaient venir les cédras en tonneaux dans la saumure par la mer. Et puis, c'était à l'époque, c'était une expédition. Et voilà, ça a perduré avec mon grand-père jusque dans les années 70. Les fruits confits Vincente, c'était... Les fruits confits Vincente. Les fruits confits Vincente. Donc, mais ça se passait dans du côté bouts, d'Anvers. Anvers, voilà. Il vous reste Non, on trouve plus. Non, il faudrait voir. Donc, c'est en quelle année que la famille part comme ça, hein? Voilà. Alors, Angelmont, mon grand-père, qui, comme vous voyez, est très grand. Le plus grand du bateau. Il faisait 1m80, donc ouais. Pour l'époque, c'était énorme. C'est ma grand-mère, c'est mon père et son frère Pierre Vincente. Et puis, il doit y avoir une partie de la famille Lorenzi, Paoli, Stella, qui étaient un peu les grandes familles de Morcigne. Et ça doit être en 37, puisque mon grand-père est né en 12. Donc, il a 20 ans, et c'était sans doute les premiers congés payés. Et super, c'est toi, j'aime elle est magnifique. Mais donc, on est d'accord que toute la famille part vivre en Belgique. En fait, cette partie-là, oui. En fait, ouais. Mais bon, j'ai toutes les ramifications qui sont restées en Corse, d'autres qui sont partis au Venezuela, les Américains. Enfin, donc, c'était l'époque où les Corses ont beaucoup voyagé. Ils sont partis vers les Amériques, vers... Et vous, votre famille, c'était la Belgique. Nous, c'était la Belgique. C'est un peu moins exotique, mais voilà. Et Anvers. Anvers, ouais. On va où après? Eh bien, on va faire chronologiquement. Là, j'ai vu, ça, c'est à Bruxelles. Donc, ça, c'est la famille. Hein, donc, là, c'est vous? C'est moi, oui. Ah, là, on est un peu plus près dans le temps, quand même. Hein, on doit être en 76, 17. Ma mère, hein, on voit bien la mère qui tient sa famille bien en main. Sœur, hein, Antoine, ma sœur Florence. Antoine, mon frère. On voit la douceur du regard de ma sœur. Et là, votre papa? Et mon papa, oui. Et pourquoi on est à Bruxelles, là? Parce que mon père, lui, donc né à Anvers, a été prof à l'Université libre de Bruxelles. Il était chercheur, de grand scientifique qui a travaillé avec des prix Nobel. Enfin, ça a sauté une génération, là. C'était le cerveau, c'est lui. Et il s'est installé à Bruxelles. Il n'a pas repris l'entreprise familiale? Non, donc, c'est son frère Pierre Vincente qui a repris. Et puis, c'était plus trop la mode des fruits confits dans les années 70, donc ça a périclité gentiment, ça s'est éteint. Et puis voilà, mais on est resté là. Donc, vous grandissez, photo, vous vivez à Bruxelles. Elle vous plaît? Celle-là, moi, j'aime beaucoup aussi. Ah, celle-là. Ouais. Et donc là, par contre, alors, ça, c'est celle-là que j'aime bien. Ah, moi, parce que ça, vous voilà. Ne passez pas votre temps à Bruxelles, en fait. Ah bah non, puisque toutes les vacances, j'étais en Corse, j'étais dans le petit... Ça, c'est la marine de Morcilia, c'est Moude, qui est au bord de l'eau, dans le Cap Corse, avec mon cousin Nicolas Joursin, avec qui, hier soir, j'ai été... On a bu un verre. Avec modération. Bien sûr. Et donc là, on a quoi? Donc on a 12 ans et on est en train de préparer les lignes de canne à pêche. Là, on va aller... Parce que moi, elle m'intéresse, cette photo, parce que j'ai lu dans les différentes interviews, vous avez passé votre enfance, vous êtes toujours entouré de potes.
Et vous êtes oui. très très fidèle en amitié. Effectivement, ce bouquet-là, ah bah, oui. vous le voyez encore. Hey, c'est plus qu'un ami, c'est la famille. C'est-à-dire et que, vous retournez ouais. souvent dans le village. Tous les étés, vous les passez, ah, justement. Oui, oui. Ouais. Dès que je peux, dès que j'ai un moment, j'y vais. C'est tellement... Mais justement, comment vous voyez la Corse depuis, parce que maintenant, vous habitez Paris, bien sûr, vous n'habitez plus Bruxelles. Là, vous faites partie de la diaspora corse, vous réunissez entre non, Corse Non, ou... pas du tout. De toute façon, je ne suis pas corse, enfin, je suis corse. Évidemment que je suis très fier, j'aimerais être corse. De toute façon, la terre aimerait être corse. Mais moi, de fait, je ne parle pas corse, je n'ai pas une culture réellement corse, je suis plus belge que corse. Mais mes racines sont profondément ancrées dans ce pays. Et je suis, On le sent. Mais justement, voilà. Comment vous voyez la Corse? Vous la fantasmez quand vous venez? Non, parce qu'il n'y a pas besoin de la fantasmer, la Corse, vu que, honnêtement, et objectivement, moi qui ai voyagé un peu à travers le monde, c'est le plus beau pays du monde. C'est simple, il n'y a pas de discussion possible. Continuons de discuter. Non, mais c'est vrai. Par contre, justement, j'ai choisi cette photo, moi, là. Celle-là, là. Et oui. C'est intéressant oui. parce que vous avez quel âge, là? Là, je dois avoir une vingtaine d'années. C'est à l'époque où je décide de partir à Paris. Hein, donc voilà, je suis jeune comédien. Un sourire carnassier. Oui. Parce qu'en fait, la passion de la comédie. D'ailleurs, on peut dire que vous êtes acteur ou comédien Ouf, les deux. Je ne sais pas trop, les deux, oui. Je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop la différence. Je pense qu'acteur, c'est plutôt théâtre et comédien, cinéma. Donc, bon, je fais un peu les deux. Donc, on verra dans l'autre pied, justement, ouais. comment ça se passe. Mais ça vous prend très tôt, hein. Vous faites une école de théâtre très rapidement. En sortant de mes études secondaires, je fais une école de théâtre qui s'appelle l'INSAS, l'Institut ouais. National Supérieur des Arts du Spectacle. Hein. C'est bien pompeux comme nom. Et j'ai fait 3 ans donc, d'études. Puis j'ai pu. Voilà. Puis je n'ai jamais fait autre chose que ça. Mais donc, effectivement, vers 20 ans, vous dites, allez, maintenant, je vais aller tenter ma chance à Paris. Oui, je me dis, bon, ben, là, je... À nous deux Paris, c'est ça? C'est la Rastignac? Oui, ou, oui. C'est oui, dans cet esprit-là, vraiment, oui, vous vraiment, oui, vraiment, parce que c'était un... j'avais un peu peur, et puis j'ai eu une discussion avec mon père qui m'a dit, si tu pars, tu ne reviens pas. Alors, je dis, bon, ok. Quand on part, il faut partir. Donc, c'est bien parce que ça m'a donné... C'était pas... dès que j'avais un petit souci, je suis parvenu à Bruxelles, dans les jupes de ma mère, en disant... Non, j'aime pas, c'est dur, ça va trop vite. Parce qu'il faut savoir qu'entre Bruxelles et Paris, c'est un monde. C'est-à-dire que moi, je suis tombé malade de stress quand je suis arrivé à Paris. Quand j'arrivais dans un café et qu'on me disait « Il veut quoi ?»« Il veut quoi ?» Pardon, c'est moi qui parle un café. Alors qu'en Belgique, c'est « Bonjour monsieur, vous voulez quelque chose ? Un café ? Avec ou sans sucre ?» Enfin, tu vois. Et la différence avec Paris, elle est extrêmement violente. Donc, et maintenant, je me suis habitué complètement au code de la vie parisienne. Il n'a pas fallu avoir trop de temps d'adaptation, finalement, parce qu'il a fallu enchaîner sur le métier. Il a fallu... Et ça a rapidement marché, quand même. Au bout de 6 mois, oui. J'ai eu la chance de faire une pièce de théâtre écrite par Sagan, un château en Suède. Donc, ça va vite. Ça, oui. Et oui. Aujourd'hui, on va revenir, justement, sur la carrière. Hein. C'est dans la pièce d'à côté, bien sûr. Mais donc, aujourd'hui, vous êtes un acteur installé. On peut le dire. Installé, oui. Je pense qu'effectivement, ah. oui, mais je ne sais jamais gagner. Quoi, mais, ouais. Alors, on va voir justement cette chance. On va en parler dans la pièce d'à côté. Et on va voir si dans cette carrière, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous aimez moins. D'accord. Hein, on va jouer? D'accord. Allez, allons jouer, c'est par là. Bon, en tout cas, c'est bon, vous me les filez après. Oui. Alors. Voilà, donc prenez place dans là-bas plutôt. Donc, c'est la séquence mise au point, okay. François, mise au point sur votre carrière. D'accord. Je vais projeter des images sur ce mur et vous allez me dire si c'est un regret, un succès, amertume. D'accord. Hein, vous lire un petit peu les sentiments qui traversent votre esprit. D'accord. Vous êtes prêts? Mm-hmm. Allez, c'est parti. Je n'irai nulle part sans elle. Et j'ai autre chose à vous dire, Don Ramirez, ou je ne sais pas trop quoi. J'ai juré à ma mère de libérer les Dundies. Et j'ai l'intention d'être fidèle à ma parole. C'est marrant. Quentin, 1995, c'est vous qu'on entend là, François. Eh, oui, oui. Je faisais des doublages de dessins animés, oui. Quand vous êtes arrivé à Paris. Oui, quand on arrive à Paris. Vous n'aviez pas physique facile, il fallait juste la voix. C'est... Je doublais des dessins animés, mais aussi des films pour adultes, hein. Faut le savoir. Avec cette voix, Non, je ne prenais pas cette voix-là. Mais oui, effectivement, ouais, j'ai fait beaucoup ça, hein, des dessins animés. J'adorais ça d'ailleurs, c'était très drôle. Et salut, et je parlais un peu comme ça. Alors viens, on était toujours un petit peu en train de courir et de se battre. C'était, voilà. Puis j'ai fait après... cette fois, vous pouvez encore l'apprendre. Ah oui, tout à fait. Je pourrais le doubler encore, lui. Tu sais, je vais te dire un bon truc. Et j'ai fait Galactic Football après. Et vous continuez d'ailleurs Le Petit Prince aussi, j'ai pu voir. Oui, c'est vrai. Oui. Tant en temps, on fait appel à moi. Être acteur, c'est aussi savoir donc jouer de sa voix. Vous avez travaillé beaucoup votre voix. Parce que êtes corse, belge, vous n'avez aucun accent. C'est non, travailler c'est tout ça. Non, alors l'accent, non, parce que je ne pense pas avoir eu jamais d'accent.
Je suis assez caméléon d'ailleurs, si je viens 3 semaines au village, je vais commencer à parler un peu lentement, ou faire des un truc, machin. Et en Belgique, je vais peut-être un peu commencer à parler un tout petit peu légèrement, ça va, comment tu vas, ça. C'est très léger. Mais au-delà de ça, il y a un vrai travail, parce que quand vous étiez plus jeune, vous aviez même un petit… Oui, j'avais un petit cheveu sur la langue quand j'étais petit, j'ai vu un orthophoniste, j'étais dyslexique, il y a plein de choses qui n'allaient pas trop. Et je l'ai toujours, ce cheveu sur la langue. Maintenant, je l'ai, mais je ne le fais pas. Donc il y a un travail. À tout moment, je me concentre pour pas zozoter. Mais bon, c'est très léger, mais ça pourrait m'arriver de faire un petit truc comme ça. On va voir, peut-être qu'il va y avoir des images qui vont faire réagir. Celle-là. Mon François. François Berléand. Succès, ça, hein. Succès phénoménal. Ah ouais. Vous êtes abonné au théâtre. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Édouard VII. Ouais, ça fait des années que vous êtes sur la scène avec Berléand. Ouais. On a mis deux pièces, mais il y en a plus. On en a fait 4 ensemble avec François. J'en ai fait 5 avec Bernard Murat, parce que j'ai joué avec Jean-Pierre Mariel il y a longtemps, le Nouveau Testament de Guitry. Et puis, depuis qu'on joue ensemble avec François, on s'entend extrêmement bien. Et c'est un partenaire, évidemment. D'un talent fou, mais en plus, c'est un véritable bon camarade de jeu. C'est du comique, hein, vous êtes beaucoup dans le comique, là. Oui, c'est de la comédie. Mais j'ai lu dans une de vos interviews qu'il ne faut pas que ce soit simplement de la plaisanterie poète-poète. Il faut qu'il y ait du sens dans chacun. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas de faire du gag. Ouais. Alors, même si il y a des gens qui font ça très bien. Voilà, moi, les comédies qui me plaisent, c'est plutôt des comédies dramatiques, comme... Little Miss Sunshine ou Le goût des autres ou des choses comme ça. Je pense que la comédie est trop important pour qu'on le prenne à la légère. Il faut être très sérieux quand on fait de la comédie. Autre univers. Ah oui, oui. Ah ouais, là, c'est le cinéma. Et là, on est en 2011. Il n'y a que 3 affiches, mais en 2011, vous êtes à l'affiche sur 5 longs métrages. Au cul du loup, là, L'exercice de l'État, Superfilm, Nuit bleue. Est-ce que ça veut dire, François, que vous êtes devenu bankable? Pas du tout. De toute façon, les acteurs bankable, ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Il y a peut-être Kev Adams qui doit faire quelques entrées, mais même du jardin, ça n'existe pas, les acteurs bankable. Il faut qu'il soit un beau film. La preuve, comme La première étoile de Lucien Jean-Baptiste ou des films comme ça où il n'y a pas une seule vedette, c'est juste un bon film. Ça fait 2 millions d'entrées. Donc, voilà. Donc, bankable, je le suis pas. Et au cinéma, effectivement, moi, je suis abonné au film. J'adore ce genre de film. Hein. Plutôt acteur de théâtre ou théâtre ou de cinéma ? Non. Là, le long métrage, c'est un support qui doit être vu sur un grand écran, dans une salle avec d'autres gens. Le téléfilm, c'est un truc qu'on regarde dans son canapé ou dans son lit sur petit écran. Et j'aime tous les supports. Et le théâtre, c'est la chose ultime, c'est l'art vivant, c'est les acteurs en vrai. Pour moi, c'est le haut de la pyramide du métier. Du métier, oui. Tiens, parler de télé. Magnifique. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'il y avait une caméra aussi en face. Exact. C'est ça qui est formidable là-dedans. Ma question, c'est, alors, je sais, vous regrettez ou pas d'ailleurs ça. C'était la boîte à questions sur Canal+. Non, mais je regrette rien. Mais je regrette rien. Des fois, vous n'en faites peut-être pas un peu trop pour faire la promotion de. Mais pas du tout. Mais j'adore montrer mon cul, voilà. Donc dès que j'ai l'occasion, je le fais. Alors là, ma fille m'a dit, papa, s'il te plaît, arrête de montrer ton cul tout le temps à la télé, parce que mes camarades de classe, j'ai dit, mais attends. Est-ce que tu as beaucoup de camarades de classe dont le père monte son cul à la télé? C'est très rare. Tu as beaucoup de chance d'avoir un père. Bon. Et ça, c'était pour la promotion de Hard, hein, vraiment. C'était la boîte à questions à Canal+. Et ils m'ont demandé à un moment donné, est-ce que vous pouvez... je crois que la question, c'était, est-ce que vous pouvez complexer la France? Et donc, j'ai fait semblant de baisser mon pantalon. Comme ma partenaire de jeu, Natasha Lindinger, comme on a tourné 3 saisons de Hard, elle connaît par cœur mon anatomie. Donc, et je me suis retourné vers elle, ça, d'ailleurs on voit ça, elle rigole, et c'est là qu'elle me dit, tu sais qu'il y a une caméra en face. Et j'ai fait, oh, comme ça. Ah, quand même, voilà. Vous êtes très pudique quand même. J'ai très pudique, oui. Diapo suivante. Ah, oui, voilà, j'ai... Ah, vous savez pourquoi j'ai mis ça? Non. Là, j'imagine que vous avez aux alentours de 11 ans et c'est, je crois, le seul prix que vous ayez jamais eu. Oui, prix de camaraderie, François. Le meilleur. J'ai eu un prix dans ma vie, c'est le prix de camaraderie. Et justement, ce n'est pas un regret, ça, d'avoir que ce prix-là en tant qu'acteur? Non, parce que je pense objectivement que
On ne peut pas. C'est de l'art, hein, le métier d'acteur. Objectivement, on ne peut pas dire qu'un acteur est meilleur qu'un autre. Je ne pense pas. Enfin, je pense qu'il y a des acteurs qui travaillent, des acteurs qui ne travaillent pas. Et moi qui ai eu la chance de rencontrer Belmondo, puisqu'il était directeur du Théâtre des Variétés quand je jouais avec Jean-Pierre Mariel, et que j'ai rencontré Rochefort, Noiret, des gens qui ont eu plus ou moins des prix ou pas, mais qui c'était pas leur but dans la vie. Leur but dans la vie, c'était de prendre du plaisir, à donner du plaisir. Donc voilà. Et, donc, l'autocongratulation du métier, je serais très heureux, hein, je ne suis pas du tout en train de dire, mais je n'ai pas de regret de ne pas avoir de prix, parce que je pense qu'on peut vivre sans. D'accord. Et vous dites que vous êtes d'ailleurs l'acteur que vous vouliez être. Absolument. Aujourd'hui. Donc même sans prix, ça se passe. C'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vraiment, je suis très heureux de travailler et de faire les rôles qu'on me propose. Bon, donc beaucoup finalement, beaucoup de succès. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la pièce d'à côté, parce que là, on a vu effectivement ce qui se passe sur les écrans. Mais vous avez une vie aussi sur le net, une vie trépidante même. Ah oui, oui, je vous assure. Allez, venez. Allons voir ça. François. C'est par ici que ça se passe. Donc on va voir si en tant que personnalité publique vous êtes surexposé ou sous-exposé sur Internet. Moi bon, je ne sais pas trop. On va découvrir ça. Profil bien sûr les réseaux sociaux, profil Facebook, c'est votre chaîne. Oui. Hein. Et c'est Léon. Mais pas grand chose, hein. Vous ne racontez pas grand chose sur les réseaux sociaux. Oui non, mais je préfère. Oui. Pas trop. Et d'ailleurs, j'ai même essayé d'être ami avec vous sur Instagram. Ah oui, non, mais Instagram, il faut oublier. J'ai un compte. Je crois que j'ai même plus mon mot de passe. Ça fait 2 ans que j'ai pas été sur Instagram. Ah, parce que j'ai mal pris, moi, pour le coup. Mmh. Je me suis dit, viens dans l'émission, je vais demander à être ami. Non, d'accord. Je suis pas très, très, très actif là-dessus. Non. Et par contre, effectivement, vous êtes actif dans d'autres domaines. Quand on tape votre nom sur Internet, eh bien, on trouve des petites perles, honnêtement, ouais. Dont ça. On regarde un commentaire après. Ouais, non, parce qu'il va falloir commenter quand même. Toc, toc, toc. Qui est là? Slobodan. Slobodan qui? Slobodan Buzz the Dust. Poudoudou, tou, tou. Slobodan Buzz the Dust. Poudoudou, tou, tou. Slobodan Buzz the Dust. And a Slobodan Dust. This is Slobodan Dust. Slobodan. Ouais. C'est quoi, j'avais ça oublié que j'avais fait c'est ça. C'est super, c'est super. Mais oui, non, plus. Non, c'est parce que là, on en a pris un, mais vous êtes présent sur 2 ou 3 ouais, ou 4. Ouais, 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 ouais. Non, c'est mon pote Charlie Dupont qui est un peu fou. Et on s'amusait à faire ce jeu-là entre nous, Toc 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 qui est là. C'est un vieux jeu qu'on fait depuis une dizaine d'années. Et à un moment donné, il a dit, bah, tiens, tu sais quoi, viens, on va les enregistrer, on va en faire une petite capsule. Et il a fait ça, voilà. On trouve des choses plus sérieuses. Ah. Oui, effectivement. On va regarder aussi, il y a ça. Ah oui. J'ai pris mes distances avec chacun d'entre eux. J'avais instauré une sorte de mur virtuel entre eux et moi, par le port de la blouse blanche, le vouvoiement de convenance, les repas séparés. Jamais ! Jamais j'ai mangé avec eux, jamais ! Le nombre de fois où j'ai mangé seul, sur une petite table en formica en face d'un mur blanc, à 40 cm d'une peinture blanche, 40 cm, même pas la longueur d'un bras. Hein, vous savez pas ce que c'est que de manger à 40 cm d'un mur blanc, tous les jours ! J'adore, moi. Ouais, ouais, c'est bien. C'est un court-métrage. Hein, pareil, une petite série de 7 courts-métrages. Mm-hmm. Et là, pour le coup, je suis assez. Vient là la question. C'est que d'un côté, vous m'avez l'air assez inaccessible via les réseaux sociaux. Mais de l'autre, quand c'est la profession qui vous appelle, des amis, vous répondez présent systématiquement. Parce qu'on rappelle qu'un court-métrage, c'est souvent pas payé. Hein, ouais, non. À partir du moment où moi, je suis. Je lis tout ce qu'on me propose. Et je tourne régulièrement des courts-métrages. Évidemment, on n'est pas payé. Mais pourquoi ? Mais pas tout simplement parce que le sujet est bon, parce que il y a des jeunes gars qui ont du talent et c'est un honneur qu'ils me font de me proposer. Là, c'est un collectif de jeunes gens qui font ça. Et je trouve ça formidable. Et donc, quand ils m'ont proposé de... Mais ça fait partie du taf, quand on est acteur, de dire, bon, allez, le cinéma m'a donné, maintenant, à mon tour, d'aller me mettre un petit peu à la disposition des nouveaux réalisateurs, c'est vraiment... Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je pense qu'à partir du moment où il faut... voilà. Je ne considère pas que parce qu'il y a plus ou moins d'argent, le projet est plus ou moins bon. C'est souvent même le contraire. Donc voilà. Effectivement, quand vous acceptez, vous acceptez. Et on va montrer un petit extrait de ce que vous acceptez aussi, ce que vous acceptiez ou ce que vous acceptez. Ben vous allez me dire, on regarde, et puis vous me dites. Ah non, elle avait ses yeux de tigre, elle rougissait comme un lion. Je vais
Pareil, des clips. Vous êtes dans de nombreux clips, François Vicente Eli. Dénudé, hein, ou oui, pas. Oui, oui. Homme-objet, d'ailleurs. Oui, oui, souvent. Mais souvent. Oui. Comment ça se passe, ça? C'est marrant, ça. Comment ça se passe? Eh bien, on... C'était avec Tovati, ça, avec ouais, Tovati. Ouais, on me demande de faire quelque chose. Donc à partir du moment où la chanson me plaît, où la chanteuse est intéressante, je dis. Oui, mais c'est un peu quand même le truc, un peu question homme objet, quoi, quand même un petit peu. Ça vous dérange? Pas du vous... tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça, avec le fait de pourquoi pas. Ça fait des siècles de femme objet, pourquoi pas un peu d'homme objet, quoi. Donc moi, non, j'ai pas de souci avec ça. Alors, ça a interpellé quelqu'un d'autre, justement, le fait que vous soyez ou pas un homme objet, c'est celui qui voit dans l'avenir. Vous savez, on a un chroniqueur qui imagine notre avenir. Et dans quelques années, il vous imagine comme ça. On regarde et puis vous nous dites tout de suite après. Hein, c'est en photo, bien sûr. En février 2021, François Vincentel y reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour le rôle-titre de 50 nuances de Roy. Son dernier film, une comédie romantique centrée sur son personnage de Roy la Poutre, créé à l'origine pour la série Hard. C'est la seconde récompense de François, après celle d'un prix de camaraderie à 11 ans. Cette victoire lui vaut d'être définitivement étiqueté sex-symbole aux yeux du public, à son grand désarroi. François se sent harcelé. Entre les paparazzis et son agent qui ne lui propose que des rôles dénudés, François, en tant que père de famille, n'en peut plus. Ne supportant plus cette pression, il est prêt à tout pour casser son image. Même à produire lui-même une saison 2 pour la série Peplum. Mais rien n'y fait. Il décide donc de profiter d'une tribune publique pour dénoncer l'hypersexualisation subie par les hommes dans le milieu du cinéma. Et parvient enfin à obtenir gain de cause. On lui offre le rôle de Benoît XVI dans le biopic consacré à l'ancien pape. Un rôle sans scène sexy, comme le voulait François. Malheureusement, l'accueil du public est froid, voire hostile. Les spectatrices sont frustrées par ce parti pris et le font savoir, bruyamment. Du coup, la production décide de retoucher le film afin d'effacer numériquement la soutane de François dans la moitié des scènes, changeant dramatiquement le ton du film. François, déçu, décide alors de se retirer de la vie publique. Au moins, le temps de mal vieillir. Moralité, François Vincentel, il n'est pas un objet. C'est bon, c'est très bon. C'est très drôle, c'est très drôle. Le temps de mal vieillir. Moi, j'ai beaucoup aimé le temps de mal vieillir. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Oui. À part l'Oscar, je pense que tout va être... Tout est possible. Tout sera vérifié. Le vrai avenir, en tout cas immédiat, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Ah oui, bah, hein, oui. Bah justement, oui, ça parle de ça, justement. On regarde un petit extrait. Ouais, c'est un film que vous êtes en train de réaliser. Oui, vous tournez, ouais. Vous êtes acteur-réalisateur. On a écrit le film avec Olivier Citruc et on réalise et on est acteur. Voilà. On regarde un petit bout. En fait, le problème, c'est que t'es pas assez ambitieux. C'est mon problème aussi, hein. On n'est pas assez ambitieux. Voilà. Tu t'appelles ça être ambitieux que de se barrer à Hollywood avec sa bite et son couteau? On a 40 ans. Là-bas, tout est possible. Puis excuse-moi, mais là-dedans, on n'a pas 40 ans. Ah si? Bah non. The American Dream. Remarque, t'es bilingue? Non, je suis pas bilingue, mais je me débrouille. Tu crois quoi, toi? Tu crois que Jean Dujardin, il parle anglais? Tu crois que Marcy, il parle anglais? Tu crois que Marion Cotillard, il parle anglais, d'accord, mais bon, il n'y a pas beaucoup qui parlent anglais. François, tu connais personne là-bas. Au moins, on aura essayé. Musique de danse floor. C'est pourtant, François, le rêve américain. Donc vous êtes le co-auteur avec votre ami d'enfance. Oui, et la boucle est bouclée, oui, d'ailleurs. Hein. Oui. Alors, produit par mon ami d'enfance aussi. Oui. Donc voilà, le souci, c'est qu'on a, là, on a tourné 4 jours, on a 15 minutes de film et on va démarcher pour chercher le reste du financement parce que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent, donc il nous faut encore des sous. Donc je fais d'ailleurs appel aux téléspectateurs. Non, mais voilà, on a tourné 15 minutes et on part là maintenant, au courant du mois de janvier, février, on va aller chercher des sous un peu partout, les chaînes. C'est quoi le rêve américain en deux mots quand même, François? C'est votre vie? Le rêve américain, justement, c'est une pure fiction sur la vraie vie d'Olivier Citruc et François Vincentelli. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur ce qu'on a pu vivre depuis 20 ans de carrière avec nos espoirs, nos déceptions, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Où on en est des rêves d'adolescents qu'on avait. Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on a? Voilà. Nous, on n'a pas d'Oscar. Du Jardin, un Oscar. Nous, on n'en a pas. Et donc le film parle de ça, parle de est-ce qu'on peut être heureux sans Oscar. Comédie, c'est une comédie. C'est une comédie. Alors, mais c'est une comédie. Voilà, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment les comédies que moi j'aime. C'est-à-dire, c'est une comédie dramatique. C'est voilà, il n'y a pas de gag et
C'est un peu, il y a des choses pathétiques, des choses drôles sur l'humanité. Quoi. Et puis, est-ce que c'est pas une façon justement de lutter contre ça, de dire je suis pas un homme objet, regardez, je peux faire des films, non, c'est pas une revanche. Oh non, mais j'ai aucune revanche. Alors là, je suis assez détendu. J'ai jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Non, au début de ma carrière, mon physique ne m'a pas aidé dans le sens où j'adore la comédie et que je n'ai pas un physique de comédie à la base. Donc maintenant, j'écris moi-même mes comédies. C'est déjà l'heure de se quitter, François. Il y a une tradition dans cette émission. Hein, déjà une tradition, c'est de finir avec un... Non, j'ai pas peur. Pas s'embrasser. Non. Non, c'est juste le selfie. Ah, bah oui. Vous le mettrez, tiens, sur votre sur bien vos sûr, profils. Bien sûr. Allez, mettez-moi à côté de moi. Hop, voilà, un petit beau sourire. Hop, ça vous plaît? Elle est magnifique. Magnifique. Merci. On pourrait être frères, frères de cheveux. Merci beaucoup, François. Vous faites de vivre votre rêve tout court, américain. Vous continuez de le vivre? Ah oui, tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. C'est un plaisir. Bon, je sors par là. Je sais pas où c'est.